Bon, je dis, l'activité que nous faisons, c'est dans la commune Cité Soleil. Il y a une commune côté tout le monde marginalisé. Depuis que nous sommes Cité Soleil, il n'y a pas besoin rien que. Il n'y a pas l'autre image que la négativité. Que je dis à nous-mêmes, qui sommes responsables, PDG, il y a une fondation qui est le Fauveja, qui veut dire Fondation Vision pour l'encadrement de la jeunesse haïtienne, qui je dis à qui fondée depuis le 15 juillet 2006. Je dis à nous faire activité ça, c'est notre petit. Pour nous montrer avec le monde entier, montrer avec l'autre ami dehors, côté gens comprennent Cité Soleil là, je comprends jeunes Cité Soleil là vraiment. Il est vrai que quand on a des paroles qu'a dit de Cité Soleil côté que commune là, c'est commune qui dotée par des vagabonds. Mais je dis nous voulons que pour que et l'État, pour que et secteur privé, ONG, toute instance qui au moins capable financer, pour que je dis à au-delà pas gars que jeunesse Soleil n'a qu'à offrir, mais si vous avez un encadrement, vous pouvez offrir autrement avec talent. Yo. Je dis à nous, faisons un concours qui est baptisé La Chasse au Talent Soleil. Qui je dis à moi-même comme PDG Fondation, qui choisit pour nous prendre. Je dis à Galil qui bat nous, M14 Guita Bas nous prenons M16. Tout ça que vous avez dit comme ZAM que nous avons, nous utilisons autrement. Côté que, et nous avons projeté une image positive de Communauté Soleil. Côté que nous sommes déjà un paquet de jeunes qui bourrent de talent. Que je dis à nous-mêmes, nous à la recherche, yo, côté que nous besoin de mettre en évidence pour que au moins nous soyons capables d'essayer de gagner une autre idée au-dessus de ce qu'on dit de négativité. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans le pays, particulièrement aujourd'hui ici à Cité Soleil. Donc c'était un concours de chant de Noël. Vous avez vu quelques-uns déjà, des artistes qui ont joué, des jeunes qui sortent des quartiers et qui ont du potentiel. Donc tout ce qu'on peut faire pour encourager ce type d'activité à travers le pays, dans tous les quartiers populaires du pays, on va essayer de le faire, il faut continuer à le faire, c'est très important pour changer l'image de ces quartiers-là et montrer qu'il y a aussi beaucoup de positifs qui se passent là-bas. C'est plus que l'amour, mais c'est que vous allez me voir aussi dans d'autres quartiers, on veut vraiment démontrer que maintenant c'est le temps aux quartiers populaires de comprendre qu'on est là avec eux, on veut supporter leur activité, on veut supporter tout ce qui est des activités positives et qui vont vers la paix, vers le bonheur, vers la construction, vers la création d'emplois, de richesses. Toutes ces choses-là, on aimerait supporter en Haïti. Donc on va continuer à le faire. Ceci n'est qu'un début. C'est un plaisir d'être là ici aujourd'hui pour moi. Et j'espère de vous revoir à d'autres endroits pour le même type d'activité. Mais je trouve que les jeunes, ils y ont mis leur cœur. Surtout le dernier artiste là, il avait réussi à faire danser la foule aussi. Donc encore une fois, il y a beaucoup de talent dans le pays. Il faut l'encourager. Ici, ils ont appelé ça DigiStars. Nous-mêmes, nous avons Digicel Stars. Nous avons Entrepreneurs de l'année. Nous avons d'autres types d'activités pour essayer de démontrer qu'à Haïti, il y a beaucoup de talent et qu'il faut encourager le talent.